Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 mai 2023, 14h39, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Beaucoup d'activités, beaucoup d'actions au niveau activités sismiques, volcaniques aussi. On a eu beaucoup de tempêtes géomagnétiques, beaucoup d'impact, probablement, sur la Terre de ces tempêtes géomagnétiques, naturellement, sur les réseaux de télécommunications, il y a des impacts. Il y a des impacts aussi sur les satellites. Il y a des impacts quand même pas si importants pour ce qui est de l'activité humaine. On ne parle pas de tempête majeure qui viendrait perturber les réseaux électriques, mais quand même, il y a les rayons cosmiques galactiques, les protons, neutrons, tout ça qui vient traverser la magnétosphère qui, probablement, est en affaiblissement, puis qu'on se dirige vers un événement qui va venir plus vite qu'on ne pense, un changement de pôle immédiat qui pourrait, selon certains qui ont étudié la géologie de la Terre, nous amener quelque chose de vraiment, vraiment dramatique. Un genre d'événement comme le jeune Dryas. Mais on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient vite. Ça va venir plus vite qu'on le pense. Mais pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités, comme je vous le disais, sismiques et volcaniques. Il y a eu un puissant tremblement de terre au Japon sur je pense que c'est tout près de... Je l'avais vu ici, là. Okinawa. Un tremblement de terre de 6,2 qui a frappé le centre du Japon vendredi, donc hier, tuant au moins une personne et en blessant 13 autres. Mais il n'y a pas eu d'alerte au tsunami qui a été émise. Le tremblement de terre a frappé la préfecture d'Ishikawa, près de la côte centre-ouest de la principale île japonaise de Honshu, selon le Centre d'information sur les tremblements de terre de la USGS. Il y a des images que vous pourrez aller visiter. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description. On nous dit qu'il n'y a rien d'inquiétant parce qu'il y a une centrale nucléaire qui est voisine de la préfecture. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Les responsables japonais ont déclaré qu'il pourrait y avoir des petites vagues, mais pas de danger. De tsunami. Le Japon est l'un des pays les plus sujets au séisme au monde. Un tremblement de terre, en 2011, on s'en rappelle, avait provoqué tout un... D'abord, des dizaines de milliers de morts, mais aussi un tsunami dévastateur qui avait aussi amené à l'effondrement de la centrale nucléaire. Donc, vraiment, tant mieux si, cette fois-là, on n'est pas dans ce même scénario. On a beaucoup d'éruptions volcaniques aussi, beaucoup d'activités explosives au volcan Fuego au Guatemala. Puis on le sait, souvent parce qu'on est peut-être en période de grand minimum solaire, c'est-à-dire que là, on est dans le 25e cycle du soleil, le 24e, même le 23e a fini, c'était dans l'ensemble faible, le 24e assez faible, le 25e, on s'attend à ce qu'il soit faible aussi, même s'il y a un début qui semblait assez explosif, disons comme ça, des choses comme ça. Mais dans son ensemble, on pense qu'il pourrait être assez faible, le 26e aussi. Donc, ça t'amène sur une longue période de plusieurs décennies. Puis on le voit, il y a des refroidissements de température, il y a eu beaucoup de neige depuis des 3, 5, 6, 7 ans. Beaucoup de neige un peu partout, beaucoup de froid, des printemps froids, des automnes froids, des hivers froids, des étés moyens. Et plus il y aura d'activités volcanique, plus tu auras de cendres aussi, plus tu auras de particules en haute atmosphère qui vont venir aussi bloquer les rayons du soleil. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités à Fuego, le volcan aussi, Barren Island, le volcan de Barren Island est entré en éruption, crache des cendres à 15 000 pieds d'altitude. Donc, beaucoup d'activités explosives, en tout cas, au volcan Fuego. Il y a des inondations catastrophiques aussi qui viennent de frapper le Congo. On est rendu à plus de 200 morts. Des inondations généralisées ont frappé aussi Émilie-Romagne en Italie. Des inondations, des glissements de terrain au Rwanda.
des tornades en Virginie. Donc, on va être dans un été, printemps-été, extrêmement actif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup on aura beaucoup d'actions. Ça, c'est au niveau climatique, mais tu auras beaucoup d'actions aussi au niveau politique, social, économique. Attendez-vous à l'été, probablement. On pourrait le qualifier de plus chaud jamais vu depuis très, très longtemps. On voit en France, il y aura beaucoup, beaucoup de manifestations. Le gouvernement de Macron va être vraiment sous haute pression, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme au Canada, puis dans d'autres pays d'Europe, les attaques contre notre mode de vie, les attaques contre les agriculteurs aussi vont se poursuivre. Beaucoup de choses vont se passer. Probablement qu'on aura l'avènement d'une monnaie numérique importante cet été. Attendez-vous à ça. Ça va se passer sûrement pendant qu'on est en train de se faire bronzer, puis on n'y pense pas. Même si l'économie est en chute libre, c'est comme si on n'en parlait pas. Ce conflit-là est loin d'être fini en Europe, puis on est en train d'en préparer un autre avec l'envoi de 500 millions de dollars déjà par l'administration Biden d'armes à Taïwan. Bientôt, on enverra des milliards. Et en Europe, c'est pas fini. On continue à envoyer des milliards. On se prépare pour d'autres offensives en Europe. Je peux te dire une chose. Wow! L'été 2023, printemps-été sera et l'automne, peut-être. Pas le dernier, mais dans le monde qu'on connaît, l'un des derniers, votre monde va complètement changer. Attendez-vous en 2024 à vous réveiller avec tout un mal de tête. Je termine avec une mystérieuse épidémie de maladie qui a fait une victime, un enfant, à Détroit. Une maladie inconnue avec des symptômes pseudo-grippaux a rendu malade des enfants dans au moins deux établissements scolaires de Détroit et un élève est décédé. Vraiment très triste. On ne sait pas encore. Pas beaucoup de développement là-dessus, mais très, très, très inquiétant. Garvey Academy is now closed until Monday. There's a deep clean going on here, according to the district. Now, it sounds like these children started getting sick in the middle of last week. The Detroit Health Department got a... Donc, on nous dit que, selon NBC, qu'ils ont commencé à être malades au milieu de la semaine dernière. Heads up about it on Monday. Three-year-old Donna Jean was admitted to the hospital. Her mom and grandmother say it was just like she wilted. And then? Extremely hot to the... It's like taking something out of the oven without having gloves on. She was burning up with fever. Apparemment, elle avait une fièvre. Elle a commencé à être malade un peu, mais c'est soudainement... Une fièvre incroyable s'est développée. Elle dit qu'elle était aussi chaude que quelque chose qui sortait du four. Which is the first symptom the health department says to be on the lookout for. Saturday, we took her to the hospital. Her lips turned completely blue, like no oxygen. Donc les lèvres étaient complètement bleues. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Plus d'oxygène. The others, headache, lethargy, nausea, vomiting. Donc on vomissait des nausées, une faiblesse incroyable, maux de tête, fièvre et une douleur abdominale. Deux écoles sont affectées. And the Focus Hope Center for Children. 25 children are sick. 25 enfants sont malades. Donc, one kindergartner at Garvey Academy has died. Tonight, the Detroit School Board had a moment of silence. Donc, on est vraiment sous le choc. On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, on aura de ces épidémies, de ces maladies de plus en plus difficiles à gérer. Puis on le voit, il y en a une multitude de ces virus, de ces bactéries, de ces maladies qui se... Je vous le dis, préparez-vous, notre monde est en train complètement de changer. Peu importe quelles sont les raisons, il y a une multitude de raisons. Et... on le voit, on n'est pas préparé. Il n'y a personne qui nous prépare. Les politiciens, le système est plus préoccupé à nous contrôler qu'à nous préparer. Je vous laisse quelques articles dans la boîte de description, quelques liens aussi.